le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs. The Lord bless you, dear brothers and sisters. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur la repentance envers Dieu. Today we are going to exhort ourselves on repentance towards God. Nous avons parlé la semaine dernière des temps de supplication, des temps d'intercession. Last week we talked about times of supplication and times of intercession, qui sont nécessaires pour des temps de détresse, which are important during times of distress. Parce que Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Because God says that call on me in the days of trouble and I will hear you and I will deliver you. Et tout le monde le sait, nous passons par des temps de détresse. And everybody knows that we are going through times of distress. Il y a la désolation partout, il y a les morts. There is desolation. Les morts en grand nombre. There is desolation everywhere and there are deaths in great numbers. Et nous prions que le Seigneur fortifie tous ceux qui sont éplorés. And we are praying that God should strengthen all those who are mourning. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 11 au verset 32. Today we are going to read from the book of Luke, chapter 15, from verse 11 to verse 32. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. He said to them, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. And not many days afterwards, the younger son gathered all that was given to him, journeyed to a far country, and there wasted his possessions in prodigal living. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. But when he had spent all, there arose severe famine in the land, and he began to be in need. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Then he went and joined himself to a citizen of the country, and he sent him to the fields to feed his swine. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. He would have gladly wanted that someone should give him what was given to the swine, and no one gave him anything. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough to spare, and I perish here in hunger. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. And he arose and came to his father. But when he was still a far way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. And the son said to his father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir.
and bring the fatted calf here and kill it, and let us make merry. For this son of mine was dead, and he is alive. He was lost, and he is found. And they began to be merry. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Now his older son was in the field, and as he came home and he drew near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked what these things meant. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il est retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. And he said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has killed a fattened calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came and pleaded with him. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. So he answered and said to his father, lo, these many years I have been serving you. I never transgressed your commandment at any time. And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed a fattened calf for him. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. And he said to him, son, you are always with me and all I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and he is alive again. He was lost and he is found. Nous allons utiliser ce texte des Saintes Écritures pour parler de la nécessité de se réconcilier avec Dieu. We are going to use this text from the Holy Scriptures to talk about the necessity of repentance towards God. Parce que le Seigneur Jésus a donné cette parabole pour montrer clairement quelle est l'origine des problèmes de l'homme. Because the Lord Jesus gave this parable to show clearly what the origin of man's problems are. L'homme souffre aujourd'hui. Man is suffering. Mankind is suffering today. Il a des maladies. He has sicknesses. Il traverse des crises. He's going through crises. Il vit dans la pauvreté. He's living in poverty. Il vit sous l'oppression. He's living under oppression. Il y a de la violence. There is violence. Il y a des meurtres. There is murder. There are assassinations. Il y a le désordre dans le monde. There is disorder in the world. Et celui qui pratique même la justice est méprisé. And the one who practices righteousness is even despised. Quel est le problème de l'homme? What is man's problem? Quelle est l'origine de tous ces problèmes? What is the origin of all of these problems? Jésus montre clairement. Jesus shows clearly à travers cette parabole. Through this parable, que les problèmes de l'homme. That man's problems. Tous les problèmes de l'homme. That all of mankind's problems. Origine, have as origin. Sa séparation d'avec Dieu son père. His separation with God his father. Dans cette parabole, in this parable, le père de l'enfant prodigue, the father of the prodigal son, représente Dieu. Represents God. Le jeune homme qui revendique ses biens, the young man who asks for his wealth, représente la race humaine. Represents the human race. Et le fils aîné, and the elder son, n'a pas la connaissance spirituelle des faits, des événements. Doesn't have spiritual knowledge of events and issues. Il peut être comparé à tout religieux. He can be compared to every religious person. Les gens qui adorent Dieu sans le connaître, sans connaître sa compassion, sa miséricorde, son amour. Those who worship God without knowing his compassion, his mercy and his love. Qui ne savent pas que quand on vit dans le péché, on est déjà mort. Who do not know that when one lives in sin, he's already dead. Nous n'allons pas parler du fils aîné ce jour-ci. We are not going to talk about the elder son today. Parlons du père et son fils. Let us talk about the father and his son. Le plus jeune, the younger son,
qui a réclamé sa part d'héritage pendant que son père était encore vivant. Who asked for his share of the inheritance while his father was still alive. Il a dit à son père, he told his father, donne-moi la part des biens qui me revient. Give my share of the wealth that belongs to me. Il a voulu s'émanciper. He wanted to free himself. Il voulait se libérer des chaînes morales de son père. He wanted to release himself from the moral chains of his father. Il ne voulait plus vivre sous la domination, sous l'autorité de son père. He no longer wanted to live under the domination and the authority of his father. Il voulait être libre. He wanted to be free. Et il voulait ses biens. And he wanted his wealth. Il voulait tout ce que son père avait préparé pour lui, il voulait ça pour aller vivre dans la liberté, dans la perversité. He wanted all that his father had prepared for him to go and live in freedom. Le père était obligé de partager l'héritage. His father was obliged to share the inheritance. Il a donné au plus jeune sa part. He gave the younger son his share. Il a donné à l'aîné sa part. And he gave the elder son his share. Et le plus jeune, and the younger son, a tout ramassé. Took everything et s'est éloigné de son père. And went far away from his Il father. Est parti dans un pays très éloigné. He went to a very far off country. Là-bas, there, se sont révélés ses désirs. His desires were revealed. C'est là-bas qu'on découvre qu'est-ce qu'il voulait effectivement faire. That is where we discover effectively what he wanted to do. Il s'est mis à vivre dans la débauche. And he started living in debauchery. Il s'est mis à dilapider les richesses. And he started wasting the riches. Malheureusement pour lui, unfortunately for him, les richesses sont finies. The riches got finished. Une grande famine a frappé le pays. And great famine came upon the land. C'était une crise sévère. It was a severe crisis. Il n'y avait pas d'emploi. There were no jobs. Il n'avait plus de prostituées. And he no longer had prostitutes. Parce que ses biens étaient finis. Because his wealth was finished. Il a commencé à chercher du travail. And so he started looking for a job. Il n'a pas trouvé du travail. And he did not find a job. Et quand il en a trouvé, and when he found it, c'était pour donner à manger aux pourceaux. It was to give food to the pigs. Il avait accepté dans l'espoir qu'il mangerait aussi les carouches que mangeaient les pourceaux. He accepted that job with the hope that he would also eat the food that was given to the pigs. Malheureusement pour lui, unfortunately for him, il était interdit qu'il mange la nourriture des pourceaux. He was forbidden to eat the food that was given to the pigs. C'est là-bas, that is where, dans cette souffrance, in that suffering, qu'il est rentré en lui-même. That he came back to himself. La parole de Dieu dit il est rentré en lui-même. The word of God says that he came back to his senses. Il s'est examiné. He examined himself. Et qu'est-ce qu'il découvre? And what did he discover? Que chez son père, that in his father's house, les esclaves mangent. Even slaves eat. Il a donc décidé, and so he decided, de rentrer, demander pardon à son père. To go back and ask his father for forgiveness. Et quand il y est arrivé, and when he got back, son père l'a bien accueilli. His father welcomed him son warmly. Père a couru. His father ran, s'est jeté à son cou, towards him and threw himself il on him. Baisé. And then he kissed him. Il a vu son état. He saw his state. Il a demandé qu'on lui donne des habits. And he asked that clothes should be given to him. Donc écoutons ce que la parole dit. Let us now listen to what the word says. Étant rentré en lui-même, when he came back to himself, il s'est dit, he said, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. How many of my father's servants have enough to eat to their fill? And here am I, dying of hunger. Vous savez, beaucoup de personnes veulent se réconcilier avec Dieu. You know, many people want to get reconciled to God. Mais elles ne connaissent pas le chemin de la réconciliation avec Dieu. But they don't know the way to reconciliation with God. Tous les hommes, all men, sont appelés à la repentance. Are called to repentance. Tous les hommes, all men, sont appelés à la repentance. Are called to repentance. Pourquoi? Why? Parce que en fait l'humanité, les hommes seront jugés. Because in fact, men will be judged. D'abord, ils sont jugés pendant qu'ils sont sur cette terre. First of all, they are judged while they are on earth. Dieu permet que les conséquences de leurs péchés les poursuivent. God allows the consequences of their sins to follow them. Quand on vit dans le péché, when one lives in sin, il y a des conséquences. There are consequences. Il y a des malédictions venant de Dieu lui-même. There are curses that come from God himself.
La parole de Dieu dit que la justice élève une nation, le péché est la honte des peuples. The word of God says that righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Quand les gens choisissent de vivre loin de Dieu, when people choose to live far away from God, en vivant dans le péché, by living in sin, il y a des conséquences. There are consequences. Il y a des enfants qui n'ont pas de père. There are children without fathers. Qui n'ont jamais connu leur père. Who have never known their fathers. Une jeune fille m'a dit qu'elle ne connaissait pas son père. A young girl told me that she didn't know her father. Même son nom. Even his name. Elle me dit que sa mère l'a conçue dans une gare routière. She told me that her mother conceived her in a car park. Où elle avait rencontré quelqu'un. Where she met a man. Qu'elle ne connaissait même pas. Whom she didn't even know. De ce rapport est née la petite fille. And from that intercourse, the young girl was ne born. Ne connaît pas son père. She didn't know her father. Les divorces. Divorce. Les maladies. Sicknesses. Les maladies. Sicknesses. J'ai rencontré une jeune fille. I met a young girl. Qui me disait qu'elle avait le VIH/SIDA. Who told me that she had HIV/AIDS. Qu'elle avait décidé. And that she had decided. Qu'elle allait distribuer ça aux autres. That she would distribute it to others. Et elle l'a fait. And she did it. J'avais un ami. I had a friend. Il avait la chaude puce. He had painful urine. Et c'était devenu chronique. And it became chronic. Et il s'amusait à nous montrer le pu. And he used to joke and show us the pus that came out. Mais il cherchait les filles tous les jours. But he went after girls every day. Il distribuait la maladie. And he was infecting others. Le monde est un monde de malheur. The world is a world of unhappiness, de méchanceté, of wickedness. Pourquoi? Why? L'homme s'est séparé de son père. Man has separated himself from pour his aller father. Vivre dans la débauche. To go and live in waywardness. En utilisant les facultés que Dieu a données à tous les hommes. By using the capacities that God has given to all men. Quand Dieu donnait l'intelligence, la sagesse, la science, il disait à l'homme, assujetti la terre. When God was giving intelligence, knowledge and wisdom to man, he was telling man, go and dominate the earth. Quand Dieu donnait une femme à Adam, when God gave a wife to Adam, il lui disait multiplier, remplissez la terre. He told him, multiply and fill the earth. Maintenant, now, on ne veut pas se marier. People don't want to get married. Et on couche avec les femmes. And we go to bed with women. Et les hommes couchent avec les hommes. And men go to bed with les men. Femmes couchent avec les femmes. And women go to bed with women. La Bible dit, c'est pour cette raison que Dieu a livré les hommes au penchant de leur cœur. The Bible says it is for this reason that God has delivered men to the desires of their hearts. Et c'est pour cette raison que Dieu permet que l'homme porte les conséquences de son égarement dans sa chair, dans son corps, à travers la famine, la pauvreté, les agressions, la misère, les maladies. That is why God permits man to bear the consequence of his sin on his body through sicknesses, through misery and all kinds of effects. Aujourd'hui, today, on est confiné à la maison. We are confined on at home maison. In our different houses. Mais au jour du jugement, but on the day of judgment, il n'y aura pas la possibilité de le faire. There will be no possibility of doing it. La Bible dit que les hommes vont courir vers les rochers et dire, tombez sur nous. Because the Bible says, men will run towards the rocks and say, fall on us. Est-ce que Dieu veut la mort de l'homme? Does God want the death of man? No. Certainly not. Dieu ne veut pas que l'homme périsse. God does not want man to perish. Dieu veut que l'homme se repente et que l'homme vive. God wants man to repent and live. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel chapitre 33 verset 11. That is what the Bible tells us in Ezekiel 33 verse 11. Dieu envoie les maux. God sends evil, pain. Ce jeune homme est parti. This man, this young man went. Il n'était pas heureux. He was not happy. Ses biens sont finis. His wealth was finished. L'humanité a péché contre Dieu. Mankind has sinned against God. Avec les petits progrès scientifiques, with the little scientific progress, ils ont dit, they have told themselves, it is over. Nous maîtrisons les choses. We now master nous things. Sommes les dieux. We are gods. Nous allons maintenant entrer dans l'âge d'or. We are now going to get into the age of gold. Quand vous comptez le nombre de morts, when you count the number of deaths causées par un seul virus,
that has been caused by just one virus. COVID-19. COVID-19. Vous découvrez la faiblesse de l'homme. You discover the weakness of man. Son impuissance. His lack of strength. L'âge d'or. Now, where is that age of gold? Où est le bonheur? Where is the happiness? Pourquoi cet enfant s'était-il séparé de son père? Why did this child go away from his father? Why did he separate himself from his Maintenant, father? Maintenant, il n'a rien à manger. Now he's hungry. He has nothing to eat. Il reconnaît que chez son père, même les esclaves mangent. And he acknowledges that in his father's house, even slaves have what to eat. L'homme doit se repentir. Man must repent. L'homme doit reconnaître qu'il est entré dans la vanité. Man must acknowledge that he has gotten into vanity. L'homme doit reconnaître que ses choix moraux, ses choix politiques, ses choix économiques ne sont qu'une vanité. Man must acknowledge that his moral, economic and political choices are just vanity. L'homme doit reconnaître que le chemin qu'il a emprunté est un chemin sans issue. Man must acknowledge that the way that he has taken is a way that does not have an exit. Il n'y a aucune invention de l'organisation sociétale qui permettra à l'homme d'échapper de ses souffrances. D'échapper à ses souffrances. There was no invention, human invention, that permitted man to escape from his sufferings. Chaque effort humain ne sera qu'une débrouillardise vaine. Inutile. Every human effort will just be vain struggle and useless struggle. Because it is written, il n'y aura pas de paix pour le méchant. There will be no peace for the wicked. Point de paix. No peace. Mais ce que Dieu demande, but what God asks, c'est que l'homme s'humilie. Is that man should humble himself. Que l'homme reconnaisse qu'il n'est rien. And that man should acknowledge that he is nothing. Et que l'homme crie à lui. And that man should cry out to him. Et que lui, dans sa bonté, and that him in his goodness, exauce et guérisse. Would answer and heal. Découvrons-le dans le livre du prophète Isaïe. Let us discover this in the book of the prophet Isaiah. Au chapitre 57, verset 15 à 21. Chapter 57, from verse 15 to 21. Car ainsi parle le Très-Haut. For thus says the High and Lofty One, dont la demeure est éternelle, who inhabits eternity, et dont le nom est saint, whose name is holy, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. I dwell in the high and holy place. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, with him who has a contrite and a humble heart, afin de ranimer les esprits humiliés, to revive the spirit of the humble, afin de ranimer les cœurs contrits, and to revive the heart of the contrite. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits et les âmes que j'ai faites. For I will not contend forever, nor will I always be angry, for the spirit will fail before me, and the souls which I have made. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. For the iniquity of his covetousness, I was angry and struck him. I hid and was angry, and he went in backsliding in the way of his heart. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. I have seen his ways and will heal him. I will also lead him and restore comfort to him and to his mourners. Je mettrai la louange sur ses lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je le guérirai. I create fruit of his lips, peace, peace to him who is far off and to him who is near, says the Lord, mais and I will heal him. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. But the wicked are like troubled seas, when it cannot rest, whose waters cast up mire and death. There is no peace, says the Lord, for the wicked. Toute personne qui est tourmentée, everyone who is tormented, par les conséquences de ses choix, de ses actes, by the consequences of his choices and his actions, est appelé à se repentir. Is called upon to repent. Pourquoi? Why? Dieu dit
God says qu'il habite dans la sainteté. That he lives in holiness. Mais but il est avec l'homme qui est contrit. But he is with the person who has a contrite heart. L'homme qui s'humilie. The one who humbles himself. Quand cet homme commence à crier, donc à supplier, when such a person starts to cry out, that is to plead, Dieu dit, God says, qu'il abandonne sa demeure de sainteté pour venir secourir cet homme-là. That he leaves his dwelling place of holiness to come to rescue such a person. Il dit qu'il est bon. He says that he is good. Qu'il ne peut pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand il nous voit tomber en défaillance. That he will not contend forever and he will not keep his anger forever when he sees us in suffering. C'est là le cœur d'un père. That is a father's heart. Nous avons choisi nos voies. We have chosen our ways. Nous sommes coincés. And we are nous, tight. Nous gémissons. And we groan. Nous pleurons. We weep. Ce que nous avons inventé. The things that we invented. Se dresse contre nous-mêmes. Have gone against us. Nos choix, our choices, nous ont égarés. Have led us astray. Les bergers que nous avons créés nous-mêmes, the shepherds that we created for ourselves, nous abandonnent. Have abandoned us. Et nous crions tous les jours. And we cry every day. Et il n'y a pas de secours. And there is no help. Mais le Seigneur dit, but the Lord says, à cause du péché, il nous a abandonnés. Because of sin, he abandoned us. Mais si nous supplions, but if we plead, il dit, je guérirai, je le guérirai. He says, I will heal them. Et il dit, je leur donnerai des louanges. And he says, I will give them praise. Lui, l'affligé et ceux qui pleurent avec lui. The one who is afflicted and the one who mourns with him. Dans les intercesseurs. And that he's talking there about intercessors. Dieu promet, God promises, l'exaucement, answers à tous ceux qui crient à lui. To all those who cry out to him. Et Dieu promet la guérison. And God promises healing. Au sens large du terme. That is in the greater sense of the word. La restauration est une promesse de la rédemption. Because restoration is a promise of redemption. Quand Dieu te sauve. When God saves you. Quand il te visite. And he visits you. Quand il descend là où tu es. When he comes down to where you are. Pour répondre à tes supplications. To respond to your supplications. Il vient avec les moyens pour te restaurer. He comes with the means to restore you. Il a dit dans Joël. He says in Joel, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le hazam et le hazil, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. He says, I'll restore to you the years that the cankerworm, the palmerworm and the locust have eaten, my army that I sent against you. Alors la question qu'on devrait se poser, the question that we have to ask then, c'est comment se repentir alors? How then should one repent? À ce niveau, at this level, il y a beaucoup d'égarements encore. There is so much waywardness. Many have strayed. There are those who pinch themselves. Qui s'infligent des punitions. Who afflict themselves with punishment. Il y en a qui ne font que confesser les mêmes choses, confesser les mêmes choses, confesser les mêmes choses. There are those who continue to confess the same thing over and over. Il y en a qui se sont résignés et disent non, nous ne pouvons rien, nous sommes faibles, donc nous allons vivre comme ça. There are those who have just given up and said that we can do nothing, we are just going to live like that because Dieu, we are weak. Dieu aura pitié de nous quand on sera à l'enfer, il ne peut pas nous laisser souffrir, il va nous rejoindre là-bas. God will have mercy on us when we'll be in hell, he will not leave us there, he will come and meet us there. La parole de Dieu dit, the word of God says, Dieu a donné la vie éternelle. God has given eternal life. Et cette vie éternelle est en son fils Jésus-Christ. And this eternal life is in his son. Celui qui a le fils de Dieu a la vie. He who has the son has life. Celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. He who does not have the son does not have life. Quand tu as compris cet évangile, when you have understood this gospel, et que tu veux venir à Jésus, and you want to come to Jesus, celui-là qui a dit, the one who said, il est écrit que le Christ souffrirait. It is written that the Christ will suffer. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. And that he will rise again the third day. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. And that repentance and the forgiveness of sins will be preached in his name. En commençant par Jérusalem. Beginning from Jerusalem. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Lisons ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 28. Let us read this passage in Matthew chapter
10:28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear he who is able to destroy both soul and body in hell. Je ne veux pas parler de la fin du monde maintenant. I will not talk about the end of the world right now. Mais le monde a une fin. But the world has an end. Dieu va juger le système. God will judge the world system. Tous les hommes seront jugés. All men will be judged. Que personne ne vous séduise. Let no one deceive you. Quand le Seigneur Jésus enseignait, when the Lord Jesus taught, il donnait des avertissements clairs. He gave clear warnings. Ici, par exemple, here, for example, il voulait exhorter ses disciples à ne pas craindre les problèmes de la vie, les persécutions, les tribulations. He wanted to exhort his disciples not to fear the problems of life, persecution and tribulations. Quelqu'un peut détruire ton corps. Someone can destroy your body. Sans avoir le pouvoir de détruire ton âme. Without having the power to destroy your soul. Et il exhortait les hommes, ses disciples, à craindre celui qui peut détruire le corps et l'âme dans le lac de feu. And he was exhorting his disciples to fear the one who can destroy the body and the soul in hellfire. Et c'est le Seigneur éternel. And he's the eternal Lord. Qui a envoyé son fils Jésus-Christ. Who sent his son Jesus Christ. Afin que nous puissions nous réconcilier avec lui. So that we can be reconciled to him. Et la Bible dit. And the Bible says. C'est le fils de Dieu. That the one who has the son of God has life. Donc pour se repentir. So in order to repent. C'est une chose très pratique. It is a very practical issue. L'enfant prodigue dit. Il est rentré en lui-même. The prodigal son says that he came back to himself. Il est rentré en lui-même. He came back to himself. Il a réfléchi sur ses actes. And he thought over his actions. Il a médité sur ses pensées. He meditated on his thoughts. Il a découvert qu'il était injuste. And he discovered that he had been unrighteous. Qu'il était mauvais. And that he was evil. Son père était bon. And that his father was good. L'homme doit réaliser. Man must realize. Que Dieu a raison. That God is right. Face à ses problèmes. As far as his problems are concerned. L'homme doit reconnaître. Man must acknowledge. Que ce que je vis aujourd'hui. That what I am experiencing today. C'est ce que Dieu voulait éviter. Is that ce que Dieu voulait m'éviter. Is what God wanted to avoid for me. Ce que je vis aujourd'hui. That which I'm going through today. C'est le malheur. It is that evil. Que Dieu avait prophétisé. That God had prophesied. Et j'ai méprisé. And I despised it. J'ai négligé. I neglected it. L'homme doit reconnaître. Man must acknowledge. Qu'il n'est pas heureux. That is not happy. Même avec ses diplômes. Even with his certificates. L'homme doit reconnaître. Man must acknowledge. Qu'il n'est pas heureux. That is not happy. Même avec sa vie d'immoralité. Even with his life of immorality. Même s'il est exalté par les mauvais comme lui. Even if he's been acclaimed by people who are evil as he is. Because the Bible says. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. That they have their glory in what is to their shame. Même si les gens te félicitent. Even if people congratulate même you. Même si te trompent. Even if they deceive you. En disant que tu es fort, tu es bien. Telling you that you are strong and you are good. Dans ton cœur. In your heart. Tu dois reconnaître. You must acknowledge. Qu'il y a un vide. That there is an emptiness. Que tu es malheureux. And that you are unhappy. Que tu n'as pas réussi. And that you have not succeeded. Parce que je le sais. Because I know, par doctrine, through doctrine, et par confiance en Dieu, and by confidence in God, il n'y a pas de paix pour le méchant. There is no peace for si the wicked. Dieu qui m'a créé, if God who created me, a dit, says, il n'y a pas de paix pour le méchant. That there is no peace for the wicked. Si tu doutes, if you doubt it, tu vas rencontrer la vérité. You are going to meet the truth. Regardez le monde. Just look at the world. Regardez la désolation. Look at desolation. Regardez la sécheresse. Just look at the dryness. Regardez les frustrations. Look at frustration. Regardez les écoutez, tendez les oreilles et écoutez les cris de détresse. Just stretch your ears and listen to the cry, the distress calls. L'angoisse, la frayeur. Anguish and fright. Le manque de repos, le trouble, l'agonie. The lack of rest, trouble, agony. Ça vient d'où? Where is this coming from? Ça vient de la parole de Dieu. It comes from the word of God. Il n'y a pas de paix pour le méchant. There is no peace for the wicked. Mais il dit. But he says. Je ne veux pas que le méchant périsse. That I don't want the wicked to perish. Je veux que le méchant se repente. My wish is that the wicked should Je repent. Je veux que le méchant se repente. I want the wicked to repent. Pour se repentir, il y a des actes qu'il faut poser. To repent, you must carry out some actions. Il y a des attitudes qu'il faut adopter. There are attitudes that you must adopt. La première chose. The very first thing. Tu dois reconnaître ce que tu as fait. You must acknowledge what you have done.
Le Seigneur enseigna la repentance à travers le prophète Jérémie dit ceci. This is what the Lord says while he was teaching repentance through the prophet Jeremiah. Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé? How can you say I've not defiled myself? Je ne suis point allé après les balles. I've not gone after Baals. Il dit, regarde tes pas dans la vallée. He says, look at your path in the valley. Dromadaire à la course légère et vagabond. You've gone like in the light paths like regarde a vagabond. Pas dans la vallée. Look at your path in the valley. Tu vis dans le péché. You live in sin. Et non seulement tu vis dans le péché. It's not only that you live in sin. Tu mets la passion dans cette activité inique. You give passion to this evil activity. De telle sorte que personne ne peut t'empêcher de le faire. In such a way that no one can stop you from doing it. Je vais lire ce que le Seigneur dit dans Jérémie. I'll read what the Lord says in Jeremiah. Chapitre 2. Jeremiah chapter 2. Au verset 24. From verse 24. Il dit, ânesse sauvage, habituée au désert, allaitante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir? A wild donkey used to the wilderness that sniffs at the wind in her desire. In a time of mating, who can turn her away? Pour se repentir, in order to repent, il faut reconnaître ton péché. You must acknowledge your sin. Tu reconnais que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. You acknowledge that I have done this, this and this. Le fils prodigue dit, je rentrerai vers mon père. The prodigal son said, I will go back to my father. Je vais lui dire, and I will tell him, j'ai péché contre le ciel et contre toi. I have sinned against heaven and against you. Il dit, je me lèverai. He says, I will rise j'irai up. Vers mon père. I will go to my father. Je lui dirai. And I will tell him, tu dois te lever. You must rise tu up. Tu dois t'approcher de Dieu. And you must get to et God. Tu dois lui dire, and you tell him, j'ai péché. I have sinned. J'ai utilisé mon intelligence pour commettre des avortements. I have used my intelligence to commit abortion. Pour séduire les femmes, pour séduire les hommes. To seduce men, to seduce women. Pour voler l'argent. To steal money. Pour détourner le budget. And to embezzle the budget. J'ai utilisé mon poste, ma position sociale. I have used my social position. Pour oppresser. To oppress. Pour dominer. To dominate. Pour détruire. To destroy. Je suis méchant. I am evil. J'ai volé les diplômes. I have stolen certificates. Le poste que j'occupe, je l'ai acheté. The position that I presently occupy, I bought it. I bought everything. J'ai rencontré une jeune fille, elle avait tout acheté, tout ce qu'elle avait réussi aux examens, tout, elle achète tout, tout. I met a young girl who had bought everything, I mean everything, even her success in exams were bought. Quand tu as mené une telle vie, when you have lived such a tu life, tu reconnais ton péché. You acknowledge your sin. Tu reconnais ton péché. You acknowledge your sin. Première étape. That's the first thing. La deuxième chose, the second thing, il faut savoir confesser ce péché-là. You must be able to confess those sins. Il faut savoir avouer ce péché devant Dieu. You must acknowledge those sins before God. Ne dis pas à Dieu, you should not tell God, c'est telle personne qui m'a poussé à commettre ce péché. It is such a person who got me into this sin. Ne dis pas à Dieu, don't tell God. C'est parce que je suis faible que j'ai commis ce péché. It's because I'm weak that I committed the sin. Vous savez, you know, Dieu a dit, God said, j'ai créé le bœuf qui mangeait l'herbe comme j'étais créé. That I created the cow that eats grass the same way I created you. Donc, Dieu qui t'a donné l'intelligence ne peut pas te traiter comme si tu étais un bœuf ou un chimpanzé. So God who gave you knowledge cannot treat you as if you were a cow or a chimpanzee. Tu as une conscience. You have a conscience. Tu as une volonté. You have a will. Tu as des émotions. You have emotions. Tu peux décider. You can decide. Tu peux dire je ne pêche pas. You can tell yourself I will not sin. Je me souviens nous étions au Sénégal. I remember that we were in Senegal. Trois bandits avaient saisi une jeune fille. Three robbers had taken hold of a young girl. Et ils devaient la violer. And they wanted to rape her. Elle leur a dit, camarade, j'ai le sida. He said, oh, my friends, I have AIDS. Et ils l'ont abandonné. And they left her. Donc, ils avaient la capacité d'abandonner le péché. So they had the capacity to abandon sin. Ils étaient pervers. They were perverse. Ils étaient drogués. They were drugged. Mais ils ont abandonné le projet. But they abandoned the project. Ils ont eu peur du sida. They were afraid of AIDS. Nous avons des gens confinés maintenant. Pourquoi? Now we have men who are de confined de at home. Ils ont peur de la mort. They are afraid of death. Donc l'homme peut discerner le bien.
So man can discern what is good. Dieu veut que tu utilises cette faculté pour dire je ne pêche plus. God wants you to use that capacity to say I will no more sin. Dieu ne veut pas que tu lui dises je ne peux pas arrêter mais pardonne-moi. God does not want you to say I cannot stop it but forgive Dieu me. Dieu veut que tu reconnaisses. God wants you to acknowledge qu'il t'a élevé au-dessus de tous les animaux. That he has lifted you above all other animals. Et de toute la créature. And above la création. And above the entire creation. Et que tu as des facultés que les autres créatures n'ont pas. And that you have faculties, capacities that other creatures don't Donc, have. Donc tu peux te repentir. So you can repent. Tu peux abandonner le péché. You can abandon sin. Tu peux dire j'arrête. You can say I stop. Dieu intervient quand l'homme a su décider volontairement d'une manière radicale. God comes in when man has decided in a voluntary way and in a radical way. Là, quand il vient, at that point when he comes, il change ton cœur. He changes your heart. Il change ton esprit. He changes your spirit. Il te remplit du Saint-Esprit. And he fills you with the Holy Spirit. C'est une promesse de la rédemption. That is a promise of redemption. Dieu restaure l'homme qui s'humilie. God restores the man who humbles himself. Il opère en lui la régénération. He operates regeneration in him. On dit il est né de nouveau. And we say he's born again. Et tu as d'autres capacités. And then you have other capacities. Mais ceux qui ne se repentent point. But those who don't repent. Ou qui se limitent à une simple confession répétée. Or who limit themselves to a simple repeated confession. Ne peuvent pas expérimenter cette action divine de transformatrice. Cannot experience this divine action of transformation. Si. Il dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. He says to all who believed, to all who received him, he gave them the power to become children of God. Quand tu as confessé, when you have confessed, tu as confessé, you have confessed, et tu prends l'engagement que tu ne vas plus recommencer. Then you take the commitment that you no more do it again. Et c'est ça qui confirme, qui valide ta repentance. That is what validates your repentance. Cette capacité de dire, that capacity to say, je ne veux plus recommencer. I will no more start. Dieu attend ça de tous les hommes. God expects that from every man. Si nous prenons Jérémie chapitre 8. If we take Jeremiah chapter 8. Nous allons lire à partir du verset 4 pour voir comment ce que Dieu appelle repentance. We are going to read from verse 4 to see what God calls repentance. Chapitre 8, verset 4 à 6. Chapter 8, verse 4 to 6. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Moreover, you shall say to them, Thus says the Lord, Will they fall and not rise? Will one turn away and not return? Why has this people slidden back Jerusalem in a perpetual backsliding? They hold fast to deceit. They refuse to return. I listened and heard, but they do not speak aright. No man repented of his wickedness, saying, What have I done? Everyone turned to his own course as the horse rushes into battle. Le Seigneur dit, the Lord says, Est-ce qu'un homme peut tomber sans se relever? Can a man fall without rising? La réponse est non. The answer is certainly no. Nous avons des expériences où les gens ont glissé, sont tombés, se sont vite relevés. We have experiences where men slid and fell and they got up. Mais il y a des gens qui sont couchés dans leurs péchés. Couchés. But there are people who are asleep in their sins. As they are lying down in their sins. Ils disent à Dieu, nous sommes tombés, nous ne sommes pas forts, nous sommes tombés. They tell God, we fell, we are not strong, et we are Dieu fallen. Leur pose une question. And God is asking Est-ce them just peut one question. Tomber sans se relever? Can one fall without rising? Supposons même que tu t'es détourné. Just imagine that you turned away. Ne peux-tu pas revenir? Can you not come back? Ça veut dire que quoi? What does it mean? Dieu s'attend à ce que celui qui s'est détourné revienne.
means that God is expecting the one who turned away to come back. Dieu ne veut pas qu'on se trompe en se consolant soi-même en disant Dieu va nous accepter tel que nous sommes. God does not want us to deceive ourselves by saying God will accept us the way we are. Parce que nous ne pouvons rien faire. Because we cannot do anything. Nous sommes faibles. We are weak. Ce n'est pas possible. It's not possible. Il dit. He says. Je suis attentif et j'écoute. He says I'm attentive and I listen. Dieu dit qu'il écoute la prière de celui qui se repent. God says I listen to the prayer of the one who repents. Dieu écoute pour voir si au niveau des mots même, s'il y a la justice dans sa parole. God is expecting to see that even at the level of words, there is righteousness. S'il y a la détermination dans son discours de repentance. Even if there is determination, he's waiting to see if there is determination in his repentance discourse. Il dit, je suis attentif, j'écoute. He says, I'm attentive and I listen. Et il dit, and he says, ils n'ont pas parlé comme ils devraient parler. They have not spoken the way they have to speak. Ça veut dire que la repentance a une certaine construction même des phrases. It means that repentance has a certain construction of sentences. Du genre, Seigneur, pardonne-moi. That is, for example, Lord, forgive me. Je reconnais mon péché. I acknowledge my sin. Je ne veux plus recommencer. I will no longer je do it. Je ne veux plus recommencer. I will no longer do Et it. Et même, je veux faire des restitutions. And I would even carry out restitution. C'est ce que Zachée a compris. That is what Zacchaeus understood. Quand Jésus est entré chez lui, when avant Jesus, même que Jésus n'entre chez lui, quand il a rencontré Jésus, when he met Jesus, even before Jesus got to his home, il a dit à Jésus, he told him, je vais faire des restitutions. I will carry out restitutions. Jésus a dit le salut est entré chez toi. Jesus told him, salvation has come to your house. Quand tu donnes ta vie à Jésus, when you give your life to Jesus, les torts que tu as causés aux autres. The evil that you've committed l'air towards others, que tu as emprunté sans et tu refuses de rembourser. The money that you have borrowed without paying back, tu dois aller rembourser. You must go back and reimburse l'air, it. Leurs objets, leur matériel, leurs choses que tu as volées. Their objects, their belongings that you've stolen, tu dois les restituer. You must go back and restitute them. Les enfants qu'on a refusé de reconnaître. Children that refuse to recognize. Tu dois aller demander pardon à leur mère et reconnaître ces enfants. You must go and ask their mothers for forgiveness and then you recognize those children. La repentance, c'est quand on se repent, l'enfer tremble. When we repent, hell trembles. Et au ciel, il y a la joie. And there is joy in heaven. Les anges célèbrent la repentance. Angels celebrate repentance. Parce que c'est la résurrection de la mort à la vie. Because it is resurrection from death to life. C'est un homme perdu qui retrouve la vie. It is a lost person who comes back to life. C'est éternel, c'est scellé au ciel. It is eternal and it is sealed in heaven. Dieu met le cachet. God puts his stamp on que it. Ce dossier est bon. And he says that this file is okay. Mais quand tu fais la ruse, but when you play tricks, tu gardes les liens du péché. And then you keep the bond of sin. Ceux qui sont dans l'adultère gardent leur relation d'adultère, mais ils demandent pardon à Dieu tous les jours. Ils donnent même l'argent. And those who live in adultery, they keep their relationships and then they ask God forgiveness every day, and they even give money. Et les femmes sont logées dans des maisons qui coûtent cher à la famille. And women are lodged in houses. That les are very costly. That is, we are talking about prostitutes. Quand tu donnes ta vie à women, Jésus, par exemple, when you give your life to Jesus, for example, tu te repens de ces péchés, and you repent of this sin, et tu libères toutes ces femmes. You release all of those women. Allez de mal à pardon. And you ask for forgiveness. Et tu rentres chez toi. You go back home. Et pour que ta femme se réjouisse. So that your wife should rejoice. Et les femmes doivent faire la même chose. And women must do the same Une thing. Une femme m'a dit dans un pays. A lady told me in one country, je ne viendrai pas dans votre église. I will not come to your church. Parce que si je viens dans votre église, because if I come to your church, je risque de dire la vérité à mon mari. I will tell my husband the truth. Et elle me dit là où tu me vois. And she told me, as you see me, j'ai des maisons et des terrains. I have houses and lands. Mon mari n'est pas au courant. My husband is not aware. Elle connaissait son péché. So she knew her sin. Elle savait que si j'acceptais l'évangile de cet homme, she knew that if I accept the gospel of this man, je dois dire la vérité à mon mari. I must tell my husband the truth. Je ne lui ai pas demandé qu'est-ce que tu as comme problème. En m'écoutant, elle a compris l'évangile. I didn't ask her
what her problem was. But listening to me, she understood the gospel. Donc les restitutions valide, montre, prouve que tu es entré véritablement dans la justice de Dieu. So restitution validates the fact that you have really gotten into God's righteousness. Comme je disais, as I was saying, les temps de détresse, during times of distress, sont les temps de supplication, are moments of supplication, les temps d'intercession, there are times of intercession. Si vous comprenez bien le sens de supplication, if you understand the sense behind supplication, ça veut dire que ce sont des temps de repentance aussi. It means that there are also moments of repentance. Où les hommes disent à Dieu, where men tell God, aie pitié de nous, have mercy on us, pardonne-nous, forgive us, guéris-nous, heal us. Dieu veut que les hommes se repentent de leurs œuvres. God wants men to repent of their acts. Qu'ils abandonnent. That they should abandon them. Parce qu'il y a une promesse de restauration. Il y a une promesse de pardon et de restauration. Because there's a promise of forgiveness and restoration. Dieu dit, God says, que l'homme doit abandonner le péché qu'il a confessé. That man must abandon the sin that he has confessed. Et la confession peut être individuelle. And confession can be individual. Et une famille peut aussi se repentir. And a family can also repent together. Une nation peut se repentir. A nation can also repent. Une tribu peut se repentir. An entire tribe can quand repent. Quand vous réalisez votre misère, when you discover your misery, Dieu va agir. God will act. Il dit, he says, je ne veux pas contester à toujours. He says, I will not contend forever. Ni garder une éternelle colère. Or be angry forever. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits et les âmes que j'ai faites. When spirits and souls that have created fall in defiance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. The Lord bless you abundantly. Maintenant, si tu as été touché, now if you were touched, tu veux vraiment t'humilier devant Dieu, and you want to humble yourself before God, nous allons prier. We are going to pray. Prends n'importe quelle position qui te convient. You should take whatever position you are comfortable with. Prie avec moi. And pray with me. Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Merci pour cette parabole. Thank you for this parable de l'enfant prodigue, of the prodigal son. Merci pour l'image du père. Thank you for the imagery of the father. Sa bonté, his goodness, ses compassions, his compassions, sa miséricorde, his mercy. Merci pour le personnage de l'enfant prodigue. Thank you for the personality of the prodigal son. Merci parce que sa personnalité nous révèle nos péchés. Thank you because his personality reveals to us our sins. Notre désir de nous séparer de toi. Our desire to separate ourselves from you. D'aller vivre loin de toi. And to live far away from you. Dans l'alcool et la débauche. In alcoholism and in dans debauchery. L'orgueil et la vanité. And in pride and vanity. Merci pour nos yeux qui s'ouvrent. Thank you for our eyes that are open. Sur la misère qu'il a rencontrée. On the misery that he encountered. Merci pour le modèle de repentance qu'il nous offre. Thank you for the repentance model that he offers to quand us. Il a rencontré les difficultés. When he came across difficulties. Et qu'il a décidé de revenir and, dans la maison de son père. And he decided to come back to his father's house. Père, Father, je reviens à toi. I come back to you. Délivre-moi de mon propre désordre. Deliver me from my own disorder. Délivre-moi du malheur qui provient de mes propres choix. Deliver me from the pain that comes from my choices. Je croyais que j'étais intelligent. I thought that I was intelligent. Maintenant, je suis environné. Now I am surrounded. J'ai perdu la force. I have lost my strength. Oh, pardonne-moi. Oh, forgive me. Et restaure-moi. And restore me. Merci pour la promesse de restauration. Thank you for the promise of restoration. Je veux rester attaché à toi. I will stay attached to you. Je ne vais plus me détourner. I will no longer turn away. Merci pour ce soir. Thank you for this day. Oh, merci pour ce jour. Thank you for this day. Amen. Amen.